Vous saviez que ceci, c'est une noix? C'est quand ce fruit tombe sur le sol qu'il se casse en deux et libère la noix. Et à l'intérieur de la noix, il y a le cerneau de noix. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Ces fruits sont des drupes vertes. En fait, ça forme des broues charnues. Dans cette broue charnue, il y a ce qu'on appelle une coquille. En fait, c'est le noyau. Et ce noyau, eh bien, il a deux valves ligneuses. Dans l'arbre, le noyer, rien ne se perd. Le bois de noyer est utilisé en menuiserie, en pharmacie et chez les vétérinaires. Et son revêtement est utilisé dans les voitures de luxe. Les noix sont très bonnes pour la santé et elles diminuent le stress. Elles sont pleines de magnésium, de vitamines E et B. Elles sont riches en fer et en calcium et apportent des oligo-éléments. Sous le noyer, rien ne pousse, car le noyer libère des toxines. Ce qui fait que du coup, on dit qu'il ne faut jamais faire la sieste sous un noyer sous peine d'avoir une migraine. Et bien maintenant, vous savez tout. Alors, me cassez pas les noix et abonnez-vous pour plus d'astuces.